The President, please be seated. Veuillez vous asseoir. The court is now back in session. L'audience est reprise. We would like to proceed with the co-prosecutor to put further questions to the witness. La parole à l'accusation pour ces questions. You may now proceed. Thank you, Mr. President. Procureur adjoint. Je vous remercie, Monsieur le Président. And just before I start, I'll indicate for the benefit of Avant the Chamber and the other parties that we have now filed que the, les procureurs ont déposé an updated version, une version of the mise à jour co-prosecutor's document list de for la the liste de documents first phase of the trial, des as was discussed last week. Du procès, que nous en avions discuté I believe we had committed to the deadline of Tuesday, nous but we've managed to Monday. Avant mardi, and it's just correct, lundi. Rather than being an updated version, donc, in fact, this is a table jour, that contains only the documents which came from DCCAM and which have been submitted to the court, and I believe en provenance de DCCAM that contains approximately 2,384 documents, 2384 and that list should be coming through shortly, if it hasn't already done so. Et qui devrait être notifié sous peu si ça n'a pas encore été fait. Mr. Darapov, if Monsieur we may continue with Darapov. The questions regarding the documents that you collected, that DCCAM collected from the Ministry of Interior. Les documents que DCCAM a recueillis auprès du ministère de l'Intérieur. You testified earlier that these documents are believed to have been held under the control of Son Sen, the Minister of Defense of the Son Sen, ministre de la Défense du Cambodge démocratique. How do we know that comment to be the case? Sait-on que c'est bien le cas. Response. We looked at the documents and we noted nous avons consulté ces documents. That the documents, after being authenticated, were held under et the control of authentification des documents. The Democratic Cambodia and stored ils in the center of Phnom Penh, and it was they were documents under Son Sen's supervision. Au centre de Phnom Penh sous la supervision de Son Sen. Is this the collection that's generally I've seen a collection referred to as Santebal? Is that this la collection, collection de documents à laquelle on fait référence sous le nom de Santebal? Response. It is correct. These documents c'est exact. That we have collected are relevant to the Santebal. Ce sont des documents relatifs à la Santebal. And you've indicated, I think, also that that collection included vous avez indiqué aussi, je crois, documents referred to as long roll documents. Is that correct? Ces documents response, portent un autre nom? Yes, ce groupe de documents, is. Réponse oui. They are the compilation of documents il s'agit d'un groupe de we documents obtained from que nous the avons Ministry of obtenus du ministère de l'Intérieur. And are those Lon Nol documents identified in any way in particular? And question. I apologize if you've already answered this question. Ces is there a particular Lon-Nol prefix or any other identifier that's used je crois que to identify those documents? The si Lon Nol. Je suis désolé si vous l'avez déjà dit, mais y a-t-il une façon d'identifier ces documents Lon Nol parmi ce sous-groupe de documents Lon Nol parmi le groupe de documents? Response. Réponse. We looked at the contents and the dates of the documents to nous identify their Lon-Nol related documents. Et les dates for example, pour, to that specific document, ce groupe, when it was about the report
report on the enemy situation. It would be referring to the Khmer Rouge movement. And in the Lon Nol dossier, there were documents that were relevant to the Khmer Rouge regime as well. Thank you very much. And I just want to clarify, I was also interested in whether or not DCCAM has used any particular designation to or code for those for that particular collection. Particulière pour ce sous-groupe de documents. Response at the Documentation Center of Cambodia. After the documents have been copied and coded, copiés, L would be used to signify these relevant documents. Pour les identifier. So then is it the case that there may be documents on which the prefix L donc le cas que des is affixed où l'on and ajouté la they may be L. Documents from the Lon Nol era. There may be documents from the Khmer Rouge era. Il peut y avoir des documents remontant au régime de Lon Nol, mais aussi des documents remontant au régime Khmer Rouge. Est-ce exact? Réponse. To put it simply, in the compilation of Lon Nol documents dans dossier, le groupe de documents dit Lon Nol, we classify these related documents as an L document. Nous avons classé ces documents sous la cote L. Thank you. Moving on to another question. Possible repository, I believe, that was discussed earlier. On a parlé d'une autre source. You've indicated that a certain cache is also found is also located at the National Archive. Is that correct? Des documents provenaient des archives nationales, n'est-ce pas? Response: yes, it is correct. These documents are the copied documents that are available at the DCCAM. Les copies de ces documents sont disponibles. Thank you. So the difference, perhaps, between the documents which you have received, la différence and entre correct me if I'm wrong, please, vous me corrigerez the documents which you have received from the National Archives, les documents as you just vous avez indicated, the photocopies, comme vous l'avez dit, sont des whereas those that you received alors from ceux the Ministry of Interior vous avez reçu du appear to de be originals. Sont les is that correct? Est-ce exact? Response: yes, it is. Réponse: oui. Because these documents that have been collected from National Archives les documents provenant were des archives the copied nationales documents already when we obtained des photocopies and quand nous les avons obtenus. However, the documents we obtained from the Ministry of Interior were the original documents and we could really identify them very clearly by having a look at the dates and the quality, for example, the quality of the paper to see whether the documents have been produced a long time ago and voir also si ces documents the obvious annotations appearing les on the documents. Qui apparaissent sur ces documents. And moving on to question. Other possible sources of documents. Are you familiar with the work of the Cambodian Documentation Commission? Connaissez-vous les travaux de la Commission de documentation du Cambodge? Or this was a commission to assist if that title doesn't assist, si. It is not helpful. It was headed by an individual called David Hawke. David Hawke qui dirigeait cette initiative. Response: we have been familiar with this Cambodia Documentation Commission letter by David and the documents also been provided to the documentation of Cambodia and classified as the D document.
au centre de documentation du Cambodge et ont reçu la cote D. And broadly, if you recall, what types of documents might have been in that particular collection? Were they nous parler du type de documents, documents contemporaneous to the Democratic Kampuchea period, or other de l'époque de Kampuchea types of related documents? D'autres types de documents connexes? Response. In the compilation of David Hawke's documents, les documents, there are Khmer Rouge related documents, interviews sont des documents pour conducted with des the refugees, including audio recording, y compris des bandes and audio, some photos. Et certaines photographies. And to the best of your knowledge, do you does DC Cam now hold the entire collection from this commission? La collection de la commission. Response. Documents sent by David Hawke to DC Cam has been well maintained and kept. Ont été bien entreposés. Maybe my question wasn't entirely clear. Question, do you n'étais-je pas clair hold the entire avez-vous collection, l'intégralité which, de la collection de was generated or which was collected de, by the commission that they transferred to DC Cam, their entire collection? Par cette commission de documentation? As far as you know. Au meilleur de votre connaissance. Response. I can tell you that these documents were sent through airplane. Je peux vous dire que ces documents ont été envoyés, expédiés par avion. It was 550 kilograms of documents sent by plane with a letter certifying the exact amount of documents attestant sent. Du nombre exact de documents and, qui nous ont été envoyés. Do you know question where how the this commission headed by Mr. Hawke et savez-vous came to be in possession of those documents? La commission, in other words, where did they Monsieur Hawke collect those documents from? Recueilli ces documents. D'où proviennent ces documents? Back. Response. After the collapse of the Khmer Rouge regime, the survivors of the regime, après la chute du régime would Khmer Rouge, not be very interested in collecting the documents. N'étaient pas particulièrement back intéressés then, à recueillir des documents. Were researchers, including Mr. David Hawke and Professor Ben Kiernan, who understood the importance of these documents. And when DC Cam was established in 1995, et en 1995, lorsque le centre de documentation du Cambodge a été créé, thought that or learned that there was a proper institution for storing or maintaining these documents. That's why they have them transferred to the DC Cam. Have the documents transferred. Ces documents et c'est pourquoi ils les ont fait transférer à DCK. If I understand you correctly, question. In si j'ai bien compris, some cases these documents in fact came from Cambodia dans or were collected cas, from Cambodia documents by individuals such as Mr. Hawke recueillis au Cambodge par des and gens were then subsequently returned Hawke, to DCK after DCK was established. Envoyé is à DCK an accurate summary? Après sa création. Un bon résumé de votre réponse? Response, yes, it is. Réponse, oui. And moving on to other
categories, you've just indicated that individuals such as vous avez aussi David Hawke, I think you referred to Professor Ben Kiernan, provided documents after DC CAM was established. Were there other que ces gens ont, donc, individuals envoyé des documents à DCCAM après sa création? Scholars, y a-t-il d'autres universitaires, d'autres chercheurs, des personnes qui avaient fait la collecte de documents dont vous pouvez vous souvenir des noms et qui ont envoyé les documents à DCCAM? Réponse. In general, we can immediately identify which document was provided by whom. For example, documents that was that were provided by Mr. David Hawke after they were given coding D de David Hawke, as the, and then we also put another initial H to prove that these documents were provided by Mr. David Hawke. And if the documents were provided by Mr. Ben Kiernan, then we would classify them with the B with the K as a short K abbreviation. Do you recall any other scholars who may have provided question. Vous souvenez-vous d'autres personnes qui aient fourni les documents au DCCAM, Mr. Hawke and Professor Kiernan. Comme l'ont fait David Hawke et Ben Kiernan? Réponse. Professor David Chandler also provided the DCCAM. Le professeur David Chandler a lui aussi fourni les documents au DCCAM. And when you receive a document from question. One of these researchers, quand and it appears to you un chercheur to be a vous Democratic Cambodia un document qui vous semble faire remonter à l'époque du Cambodge démocratique, how do you verify that it is comment vérifiez-vous what it appears to be and que that it is not, for example, a forgery? Et qu'il ne s'agit pas d'un document d'un faux. Response. DCCAM normally asks questions directly général, to the people who DCCAM provide pose des questions documents aux personnes qui remettent des documents. To it. For example, like Professor David Chandler, who has traveled back and forth le professeur David Chandler, through qui Cambodia, and he also visited DCCAM, where we could really put questions directly to him on these verifications. Nous avons pu lui poser des questions en personne. And do you at all review the documents as question. As you did earlier, when Judge Laverne was interested in a particular example? Faites-vous un examen de documents un peu comme vous l'avez fait avec le juge Laverne lorsqu'il était intéressé par un document en particulier? Response. Could you please be more specific which document you are referring to, please? Of course, I apologize. Just following on from your previous answer where a document is received from a researcher, vous dites you've interviewed lorsque vous recevez the provider, un document d'un chercheur, vous and faites une interview avec la personne appears to qui a remis le document, contemporaneous et document. Que le document semble être un document d'époque. Review the document. Faites-vous aussi une étude du document, un examen for authenticity or for its general consistency with other records. En vérifier l'authenticité ou voir sa cohérence avec d'autres documents. Réponse. Indeed, for example, documents that we obtained from Professor David Chandler. Les documents obtenus we examined de David Chandler. The documents. We read nous them les avons lus. Carefully. And we also examine the content and the dates on nous those documents, le contenu et la date. Including the language used, ce qui comprend aussi etc. Le for langage. Us to be able to verify qui s'y trouve. Whether these documents are relevant to the Democratic Cambodia
or the Khmer Rouge or other documents? Portent sur les Khmer Rouges, le Cambodge démocratique ou d'autres documents. With your 17, approximately 17 years of experience, et do you feel confident avec vos 17 ans d'expérience, your assessment, in addition to your interviews, avez-vous confiance other checks que votre évaluation, you conduct, do you, are you en plus des interviews et, des autres mécanismes de vérification que vous avez, que cela vous permet de porter, no, de constater avec précision. Response. Having had experience in this work for 17 years and having been very meticulous and very careful myself, I can assure that after reading the documents very carefully and examining the content, essence of the documents, looking at the dates and the language used on the documents can make me feel confident that I can assess them well. Que je peux en faire une bonne évaluation. And if you were in doubt as to the authenticity of et a si vous aviez un doute sur l'authenticité on your own assessment, what steps, if any, would you take seraient les gestes que vous poseriez document pour vérifier l'authenticité d'un document. Response. In general, this does not happen en général, cela ne se produit pas très souvent. Because if it happened, then we would have our experts si who are cas, also researchers nous demanderions à nos experts, qui sont aussi des chercheurs, of Cambodia and also Democratic Cambodia regime, sur le Cambodge they et can le be régime asked du Cambodge démocratique, to verify, to explain the content of the document, the language in the document, so that they can be verified. Langage employé you mentioned dans les earlier documents pour que, that you've provided many of your question. Copies. Vous avez dit of many of your records to researchers and academics des copies who de ces specialize in this à des period. Chercheurs et des personnes qui se spécialisent dans l'étude were you ever de cette informed période? By anyone, quelqu'un any of vous those researchers, that perhaps a document you provided may not be an authentic document? Qu'un document que vous leur avez fourni n'était peut-être pas authentique. Response. With regard to researchers or scholars or those who would like the documents for their study pour ce qui est des chercheurs or for other ou de personnes qui veulent avoir purposes, accès à ces documents pour leurs propres études, normally tell them that the général, documents are compiled by DCCAM, nous leur disons que ce sont des documents colligés par DCCAM. They are provided to the users to make their own assessment on the documents. We normally do not really judge the documents. We allow général, nous ne users jugeons pas les documents. To nous permettons make à des their own analysis on de faire documents. Leur propre analyse des documents. And to the best of your knowledge, do some of these experts question. Speak and read et, the Khmer language? Est-ce que vous sachiez ces experts parlent et savent lire le Khmer? Response. Professor David Chandler can speak David Khmer Chandler very well. Parle très bien le Khmer. Professor Ben Kiernan, Ben Kiernan can also speak Khmer. Peut lui aussi parler le Khmer. Thank you very much. At this stage, Mr. President, with your permission, I'd like to show the witness a small series merci. Of documents. J'aimerais maintenant, avec la permission de la Chambre, just so that montrer he can une take série a quick de documents look at them pour qu'il puisse perhaps, y jeter un coup if d'œil he is able, et identify de faire, markings on them, d'identifier which may assist the, des, in the ascertainment of the truth with respect to the origin of documents. Qui permettrait à établir la vérité quant à l'origine de ces documents. That is appropriate, I'll proceed. Si elle, à la Chambre, je demanderai que ce document soit projeté.
You're allowed to do that, oui, please. La Chambre vous y autorise. Thank you very much. Question. Mr. Darapov, we will show you a small number of documents, Monsieur Darapov, nous allons vous montrer all of which I believe we've documents. Received from DCCAM. I will just ask you to look at them and tell us what markings on them may mean. So if we could have our screen shown to the witness. Les documents. I apologize, just one moment, we seem to have a slight technical problem. Je regrette cette attente, nous avons un petit problème technique. Okay, if we could just show that document now. Thank voilà you very document. Much. Mr. Darapov, if you look at this document, in the top right-hand corner, Monsieur Darapov, there are two series of digits and letters, I believe. En haut à droite, can you tell us first série de chiffres et de lettres. What the series of letters starting with a series of numbers starting with the letter D, what that relates to? La cote qui commence par D est suivie de chiffres. Response. As indicated, all documents have been given je l'ai dit, coding starting with a letter reçu une and de followed by numbers. Qui consiste D en une lettre here suivie de chiffres. Doesn't mean D, ici, anything ne in the eyes of the law, but for rien dire au point de vue juridique. Memory, we know that A, mais B, C have already A, been used. B et C so ont déjà été we utilisés. Use the term D donc to refer to the D letter that corresponding with the Documentation Center for Cambodia of Cambodia. So we use D as the letter. Documentation du Cambodge, c'est pourquoi numbers, nous utilisons la lettre D. That follow the D are the consequence or consequential number that responding to the documents we keep receiving ou plutôt sont les numéros que nous apposons aux documents et ce en séquence a period of time and the letters in brackets 9 BBK BBK these is an indication to prove that where the original source of the document could have been. Quelle aurait été la source because du document d'origine. We never allow any researchers or students car nous ne permettons or users pas à access utilisateurs, or touch the original documents. For à that reason, les we originaux. Make copy of the documents and we copie du document. Put some reference et nous numbers. And for this purpose of verifying the copied documents with its own original source, this is the et coding that voilà we maintain at our place. Que nous utilisons au centre pour thank you. Just as a footnote, the document that I was showing is the introductory submission 21.18, and it is, of course, on the case file and included in the co-prosecutor's que l'on retrouve first dans phase le dossier document et list. Aussi dans la liste de documents so des procureurs pour la première phase discuss du procès. That document for a brief moment further, si nous pouvions discuter you indicated that the sequence starting with the letter D is a sequential qui commence par D. Les number sont allocated by DCCAM. And just if you may elaborate further on what you believe au document par DCCAM, the letters or numbers in the brackets immediately below les lettres et chiffres first, entre parenthèses relate to. Sous cette cote, pouvez-vous if nous les we expliquer could perhaps show that document again
to assist the witness. Peut-être pourrait-on projeter le document au témoin. Thank you. So just that second sequence below the letter D, if you could comment on that. En dessous de la lettre D, est-ce que vous avez des observations à faire à ce sujet? À quoi est-ce que cela renvoie? Réponse. The number and letters. Comme je l'ai dit. Below the code. Tell us the source of the. Le chiffre et, le, et la lettre renvoient à la source, c'est-à-dire au document original. Assigns to c'est ici la cote the compilation of documents. Qui est attribuée au document. Sometimes we receive the documents in parfois, les documents, a compilation of documents nous arrivent sous la forme de l'eau. And we have sequential pages within the compilation. Et ces lots so when assigning sont paginés par ordre. Documents we lorsqu'on attribue une cote à un document, we provide this kind of coding in order to procédons in à order cet for encodage us to make reference qui nous permet ainsi to the original copy de renvoyer au document original. The photocopied document. And I know it's very difficult because question. We're discussing a very large compilation. Parce qu'il s'agit but just on that particular document, d'un grand nombre de documents, mais are you able dans le présent to document, identify est-ce que vous êtes where en this document came from just by looking at that sequence, document, or would you need to consult the database? La code de référence, ou bien est-ce que vous avez besoin pour cela de consulter la base de données? It is true that réponse. Once I saw a particular document, I will recognize un simple coup d'œil sur un document me permet de savoir de quelle collection le document en question provient. And I will be able to pinpoint the original document. Je suis en mesure de retrouver sans erreur le document original. As indicated in this document. And if we could just switch to our screen again briefly. J'aimerais que l'on fasse apparaître brièvement locate this document, le document à l'écran à nouveau using your database si l'on and cherche the à D retrouver number, le document if we could, en utilisant have our la base shown, de données please. Et la cote commençant par D. Et ici, j'aimerais que l'on fasse apparaître le document à l'écran. If we could show the screen now. Thank you. This is the, of course, DCCAM website. Il s'agit du site and, internet my colleague will du, just type DCCAM. In those numbers that we saw mon confrère a moment va earlier, saisir which la was D0648. I know it's not very clear. But je I hope sais que ce n'est pas très clair. You're able to identify the page. What page are we looking at identifier here, la Mr. Darapov? Quelle page est-ce que nous voyons ici, Monsieur Darapov? Look, what page are you referring to? Because de quelle as page I can see on the screen, est-ce que vous parlez? It is the result of à l'écran, the nous avons le résultat de la recherche qui apparaît. The DCCAM website, and we can see here the ID number that is D01648. Il y a un document ID number, à savoir D01648. La date du document apparaît comme étant le 18 juin 1977. And
The result also shows that we le résultat this indique également from the Ministry of que nous avons Interior recueilli ce document auprès du ministère de l'Intérieur en 1999. And this document can be found in the original source. On peut retrouver le document Number original 09BBK. Sous la cote 09BBK. So if there is a request for an original si quelqu'un demande l'original de ce document, nous sommes en mesure de retrouver l'endroit où se trouve ce document. Question, vous avez entièrement répondu à ma question. Another document. Je voudrais vous montrer un autre document. Is on the case file again. This is D83 sous la cote dash annex D83-Annex-0001. And if court officers could je prie now switch to our screen, please. Le greffier d'audience de bien vouloir apparaître, faire apparaître cela à l'écran. Thank you very much. The page Merci appears beaucoup. To be okay. This is a bit better. Mr. Zaripov, looking at this document, en voyant ce document, are you able to identify again the sequence starting with letter D, and is that a similar number as we saw in the previous example? Est-ce que cela est similaire à l'exemple précédent? Réponse. Right. Shown on this document, comme we have on le voit, letter D, il y a la lettre D qui apparaît et qui est suivie des chiffres 1, 3, 5, 2, 7. En dessous de cela, on trouve la mention TSL 1813. Il s'agit du système d'encodage utilisé au DCCAM. Concernant TSL 1813, cette cote this copy document renvoie is from, in other words, à l'origine de cette copie. Autrement dit, c'est une mention qui renvoie so à la source originale. For the si quelqu'un of the photocopied and the, veut vérifier the original document, we will be la copie able en la confrontant to locate the à l'original, il nous est possible de retrouver l'original. And we can refer to the archives at Stuart's Lane. Et and il est possible number de 1813, renvoyer is used. Aux archives de Tuol Sleng et aux documents 1813 de Tuol Sleng. Question, TSL renvoie donc à Tuol Sleng? Réponse, it is effectivement. Correct. And again, just briefly, we will attempt to locate question, this document à nouveau, brièvement, nous allons essayer on the, de on the same retrouver website ce document that sur we le même site earlier. Web, comme nous l'avons fait and if the court précédemment. Could again, je prie l'huissier d'audience de faire apparaître cela à l'écran. Thank you. And I believe, as you read out, the document merci number was D13527. D13527. And again, could you summarize for us very quickly pouvez-vous what this page shows? Rapidement résumer ce qui apparaît sur cette page. Bah, réponse. Bah, okay. Merci. Yes, thank you. The document number shown here, ID number is on D trouve ici le document 13527 à la rubrique ID number was collected in 1999. C'est un document qui a été recueilli en 1999 from et qui provient de Tuol Sleng. Je vous renvoie à la mention entre parenthèses TSL 1813. Thank you very much, and we'll move on question quickly merci to beaucoup. Nous another allons document rapidement passer à un autre document. And just for the record, this document is D243.2.1.1. D243.2.1.1. The court officers could switch to our screen briefly. D'audience de faire apparaître cela à l'écran.
Thank you very much. And just looking at this document, could you just first indicate what document we're looking at, please? Pouvez-vous indiquer de quel document il s'agit, en l'ayant sous les yeux? Réponse. It is a revolutionary flag. C'est un document. Numéro de l'étendard révolutionnaire. And this is a scanned. Il s'agit d'un scanogramme of the original du document original. Copy which is available at DC CAM. Ce scanogramme est disponible the au DC CAM. It's not the one that we can see on this screen. The original will tell us that the color is red. Dans l'original, les drapeaux sont en rouge en couverture. And in this case, question. It appears dans that le cas présent, the document, this particular scan, didn't have ce scanogramme a D number ne in its porte top pas right-hand corner. De cote Could you explain to the chamber why that might be the case? Pouvez-vous en expliquer la raison à l'intention de la chambre? Mais ça. This is because this document cela s'explique was scanned from the original, parce qu'il s'agit as I indicated d'un scanogramme earlier, et comme je l'ai déjà dit, not write anything on the original. Nous n'avons we did not touch apporté the original. Aucune annotation à l'original. So when we scanned the original, lorsque nous avons scanné l'original, you will not find any coding system. Any D or some other letters, because like I said, this aucune is référence n'y apparaissait. Document of the aucune original référence version. Commençant par D, and par exemple, et donc cette mention n'apparaissait pas non plus dans la copie. Copies. Thank you very much. We might try very quickly question to again locate this document nous allons on the database. De retrouver even though ce document we don't have the D dans number, la base de données, you've même si nous n'avons pas la cote en D. August, vous avez dit August que ça datait du mois d'août 1977, issue, or rather 75, ou plutôt 1975, and my colleague will just attempt to locate ma by searching for flag va faire une recherche en saisissant and le I mot flag. A series of results. Il y a plusieurs résultats qui apparaissent. We'll try and search this. It would is this does this correspond Mr. Darapov to the document est-ce que ceci that you were looking at earlier correspond au document just que vous aviez the basic information about the date and title avec des informations de base sur la date et le titre réponse yes the question could be like this why we can find the document number beginning with the letter D followed by number 214 ici la cote D pourquoi est-ce qu'on trouve ce document copied documents parce que nous avons un catalogue des copies autrement dit coding system to the photocopied documents nous attribuons that une référence this, à la photocopie c'est la raison pour laquelle cette cote apparaît ici and we also record the nous document date which is mentionnons August également 1975, la date and the collection à savoir date, août 1975 ainsi que la date à laquelle document le document a été recueilli 1999 museum, quant à la source c'est TOL Slide TSL. TSL selon l'abréviation thank you very much question merci beaucoup just very briefly you've indicated très in the database certainly confirms that the source of this document is TOL Slang. Dit que la source du document c'est TOL Slang et la base de données l'a confirmé. Does that mean in summary that the original of this document was recovered from the S21 compound? Réponse, yes, it is correct. C'est exact. And based on your question. Research à la lumière de vos recherches, is there a particular reason why y a-t-il one une might raison encounter particulière pour laquelle revolutionary flag magazines at on S21? Pourrait retrouver un numéro d'étendard révolutionnaire à S21. Réponse. Could you please specify your question? Pourriez-vous préciser votre because question? From the translation I had, that the location found, the location where the document was found
was there? What do you mean by there? Certainly, the question was. À quel endroit faites-vous référence? Location. Question. Is indicated as being Tall Slang. Il est indiqué que l'endroit c'est Tall Slang. D'où ma question. Based on your research, à la lumière de vos recherches, why would we find a pourquoi copy est-ce que l'on retrouverait original of the revolutionary flag un original de l'étendard révolutionnaire à Tall Slang? Réponse. When we conducted our research at Tall Slang, lorsque nous avons mené des recherches à Tall Slang, comme je l'ai déjà dit, for those documents that are related to document Democratic Cambodia regime et lorsqu'il s'agit de documents du régime du Cambodge démocratique and DC CAM and because les documents sont recueillis et archivés au DC CAM available at Tall Slang, we made c'est à Tall Slang que nous avons pu trouver ces numéros de l'étendard révolutionnaire. Nous en avons fait des photocopies que nous avons conservé au DCCAM de façon à ce que les chercheurs et d'autres personnes puissent les consulter. Is it possible then that question, the original versions of this particular magazine may be found in a number of different locations se retrouvent à différents endroits durant la période du Kampuchea démocratique? Réponse. Practically speaking, we may also receive a copy en termes of revolutionary concrets, flag il arrive que nous recevions une copie not from de l'étendard révolutionnaire de la part d'un particulier et non pas and because the revolutionary flag magazines de Tall Slang. Disseminated on sait en effet que l'étendard révolutionnaire était distribué au cadre du Kampuchea démocratique. May be in possession of individuals. Et donc, il se peut que certains particuliers aient en leur possession ces documents. Lived around the city. So it is possible that we may have found a document in a house. In Phnom Penh, for example, il peut s'agir de personnes vivant à Phnom Penh ou à proximité, et donc il se peut que nous kind of retrouvions somewhere in Phnom Penh. Ces documents également dans une maison à Phnom Penh. One more document in the time that we have remaining. Question. Durant le temps qui nous reste, je vais vous montrer un autre document. And for the record, this is document, je vous renvoie au document D366/7.1.331. Again, of course, a case file document and included in the OCP. 7.1.331. Document c'est list. Un document verso dossier et if qui se trouve show this document on the screen. Dans notre liste de documents. Peut-on faire apparaître ce document à l'écran? Thank you. Merci. And again, very quickly, time is limited très now. Très brièvement, car il me reste peu de Mr. temps. Darapov, Monsieur Darapov, can I take it that the D est-ce que je peux considérer to your que le internal DC CAM number, as we saw previously? Renvoie à la référence attribuée par le DC CAM lui-même, comme nous l'avons vu auparavant? Réponse. Yes, this document number effectivement, is la cote D20476. This is the il s'agit number provided by DC d'une cote CAM attribuée par and le DC CAM. Below, et en dessous, entre parenthèses, on trouve une autre référence DCCAM, and this tell us the source apposée par le DCCAM et qui renvoie we have here the short form ANC, à la source that is the, ANC. National Center. Cela renvoie à Archives and National Center, Centre National des Archives. On trouve ensuite la mention 37 so when if he wants to locate the original copy of this document, retrouver the place and l'original tell them this number. Il faut aller sur place à ces services d'archives et leur much donner la cote en question.
le procureur. And in the remaining time, I may just durant very le temps qui me reste, très brièvement, j'aimerais aborder separate, issue, une question perhaps, différente relating to the relationship with, qui of DCCAM porte with the court, sur les relations and the parties before the court. Entre le DCCAM et le tribunal did et DCCAM ses différentes provide any parties. Assistance to, est-ce que le DCCAM victims a fourni une assistance quelconque filed applications aux victimes qui s'étaient in the progress of these proceedings. Constituées partie civile devant les CETC. Réponse. May I ask you again, are you referring to the witness support section? Est-ce que vous faites référence not only the witness and expert support à la section d'appui aux témoins et aux experts? As long as there is a request for documents, a DCCAM will quelle que soit la partie provide documents qui nous demande those, un document, requesters. Le centre we will not provide communique the documents ce document any request et il ne le fait precisely the que lorsqu'il a reçu otherwise, une demande précise faisant thank you. My question état probably de la référence wasn't du very document. Clear. My question question. Was more peut-être in relation pas été clair. Applications je parlais as a civil party, whether des or not demandes DCCAM de constitution de partie civile. Est-ce que le DCCAM a aidé des gens à se constituer partie civile devant les CETC? Batman. Réponse. Yes, oui, cela a été le cas. And what type of assistance question. Was that? De quel type d'assistance s'est-il agi? I have worked réponse. Personally with the request for documents. J'ai personnellement travaillé sur des demandes de documents. I have worked with either the civil parties personally or with their lawyers. Par des parties civiles ou par leurs avocats. The documents that I provide them include je leur ai remis certains documents, the documents of their deceased relatives, y compris des documents relatifs à des membres and de leur civil famille parties are requesting qui étaient décédés. These documents in order to support their complaints les parties civiles ont demandé ce type de documents and so this pour is what the, étayer leur constitution de partie civile. Voilà donc to, une forme d'assistance qui a été offerte par le DCCAM aux parties civiles. And of course you've indicated question. Earlier that, vous that avez assistance déjà dit is equally available cette assistance pouvait être offerte à titre égal and please correct me if à I'm toutes wrong, les parties to any party participating in these proceedings. À cette affaire. Corrigez-moi si je me trompe. Réponse. It is true. C'est exact. And I can list those parties. Je peux vous and donner la liste de ces parties. Counsel. Il y a notamment les équipes de défense, parties, the of les the parties civiles, le bureau des coprocureurs, the of the le bureau des juges d'instruction. Question. And what would you say, Mr. Darapov, to anyone alleging si quelqu'un that because DCCAM allègue que le DCCAM has indicated that crimes took place during the a dit que les crimes DK period, ont eu lieu that DCCAM is therefore biased, la période du Kampuchea démocratique, that its si quelqu'un prétend que le DCCAM tainted est partial et que ces travaux ne sont pas fiables, qu'est-ce que how vous auriez à répondre à cette affirmation? Dis-moi que réponse. Premièrement, first of all, as I have said, comme je l'ai déjà DCCAM dit, has two primary purposes. Le DCCAM poursuit deux objectifs there is principaux. Two. Collect and compile a document recueillir to keep it as memory of the history des documents pour garder and secondly, trace
de l'histoire, et deuxièmement, compile documents to provide to any individual, remettre who des documents are interested in finding à toute personne déterminée the survivors à of the democratic trouver Kampuchea. Justice pour les survivants du Kampuchea démocratique. So this is to serve this purpose, we have provided our documents to the ECCC. C'est la raison pour laquelle nous avons remis des documents au CETC et à toutes les parties. Without any restrictions. Et ce sans aucune restriction. As long as there is a request for one. Si une demande And we also provide to nous était faite, nous y accédions. Nous avons également remis des documents about the democratic aux chercheurs qui s'intéressent à l'histoire du Kampuchea démocratique. Nous avons également fourni des documents aux médias ainsi qu'à des étudiants qui travaillent sur ces questions. Point, for the DC Cam is that we do not analyze the documents that we le have collected. Le DCCAM n'analyse pas les documents qu'il a recueillis. Are, le DCCAM conserve les documents sous leur forme existante. Those who would use the documents to analyze et c'est à ceux qui veulent utiliser document. Ces documents de les analyser et de les évaluer. Quant à nous, nous n'émettons aucun jugement sur ces documents. We do not analyze je le répète, nous n'analysons pas les documents. And what would you say question. To an allegation si quelqu'un devait affirmer DCCAM was created que le with DCCAM the assistance a été créé of a foreign avec government l'assistance d'un gouvernement originally back étranger in 1995, en 1995 that it should not be relied et que donc on ne saurait s'appuyer sur le DCCAM et que preference celui-ci in the outcome of these proceedings. N'est pas Is that impartial a fair et a une préférence claim. Concernant l'issue de cette affaire, qu'est-ce que vous répondriez. Est-ce que vous considérez que c'est une allégation justifiée? Réponse. I hold my position that I expressed earlier. Je maintiens with ce que j'ai dit allegations of the bias au sujet de toute allégation pouvant to être my position. Avancée au sujet thank you very much. You've been more than clear. D'un éventuel and I know it's been a very long day, so I thank you. Mr. President, le procureur, la journée a été longue. At this stage, merci beaucoup. I note it's Monsieur le Président, 4 o'clock now, il est and I would hand over 16 heures. My, j'ai l'intention colleague. De donner la parole you, à mon confrère cambodgien. Est-ce que vous voulez que nous poursuivions ou que nous reprenions demain? Bah, au contraire. Le président. Thank you, deputy. Je vous remercie. Thank you, Mr. Witness. Je remercie le témoin. It is appropriate for us to adjourn now. Le moment est venu we resume with the national de lever l'audience. Deputy co-prosecutor. Le coprocureur cambodgien tomorrow morning. Aura la parole demain matin. The chamber wishes to inform Mr. Witness la Chambre that your informe testimony le témoin has not been concluded yet. Que sa déposition n'est pas terminée. We will resume with questioning you elle continuera tomorrow morning demain matin. And in this regard, you are required to be present le tomorrow témoin from 9 devra o'clock. Donc être présent demain à partir de 9h du matin. Je constate que l'avocat de la défense de Nunchea s'est levé. Je vous donne la parole. Thank you, Mr. President. La défense. Merci, Monsieur le Président. Last week we were asked how much la semaine time dernière, we need to on nous a demandé de combien de temps nous aurions besoin pour interroger ce témoin. Après l'interrogatoire d'aujourd'hui, mon équipe aurait besoin d'au moins une demi-journée pour interroger ce témoin. On nous a accordé 4h30 pour toutes les équipes de défense. Je crois que cela ne sera originally, pas we had indicated suffisant. One and a half day, au départ, nous avions dit que nous aurions besoin d'un jour et demi pour les trois équipes de défense. Je crois que c'est une estimation plus réaliste du temps dont nous aurons besoin.
The president, le président. Since it is now the appropriate time for the adjournment, the Il chamber will adjourn. De lever la séance, l'audience. Now and tomorrow's session will be Et resumed at 9 o'clock. L'audience reprendra demain à 9 heures. The observation made by counsel for Nguyen Chia will be addressed and informed tomorrow. Today we have already made it clear to the party concerning the time allocation and schedule for putting questions to the witness. This is an additional request from counsel on top of what the chamber has already Il s'agit là d'une requête additionnelle de la part de l'avocat sur la décision, alors que la Chambre a déjà pris une décision. C'est pourquoi la Chambre répondra demain à cette requête de la défense. Security personnel are now instructed to take the three accused persons back to the detention facility and have them returned to the courtroom before 9 o'clock. Et vous assurez qu'ils soient au prétoire demain avant 9 h. L'audience est levée.